qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas dit du royaume des cieux. Au fait, Joël Crasson. Je m'excuse, mais soyez par moment compréhensif. Nous allons attaquer une étape très importante que la prière. Nous allons essayer de prier pour vous. Levez tous les mains et chacun prie pour confier tous ses soucis au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il faut commencer à prier. Que chacun prie, que chacun demande un miracle à Dieu. Que chacun demande un miracle à Dieu. Demande un miracle à Dieu. Amen. Monsieur, et le monsieur l'étouffe là. Veuillez vous asseoir une minute. Une minute, une minute. Voilà. Je vais voir ce sourire là. C'est fini, non? Amen. Comme ça, le petit. Amen à la croix du Seigneur. Comme ça, le petit vient d'être délivré après des coups de chicotte. Amen. Ouais, c'est pas facile, hein, de comprendre que telle personne a tué mon enfant, vive à la personne. Monsieur, vous êtes prêt à parler? Hein? Pourquoi? Non, je suis prophète. Monsieur, là, c'est en classe là-bas, c'est bien. C'est le prophète, hein, prophète. Voilà, ici, c'est prophète. Quand vous êtes dans un truc spirituel, ayez le langage spirituel. Vous êtes sorcier. Oui. Vous êtes prêt à parler. Oui. Faut pas rentrer à gauche et à droite. C'est toi qui vas faire que on va allonger la chose. Si je sens que tu rentres à gauche et à droite, tu vas t'asseoir. Tu peux même faire 2 mois ici. Maintenant, si tu n'es pas content de t'avoir. C'est pas moi qui t'ai envoyé ici, hein. C'est moi, mais ici. Ok. Vrai, vrai, ou on vous accuse? Vrai, vrai. Vrai sorcier. Ok, on vous écoute. Vous savez que c'est comme ça qu'il délivre les gens, non? C'est ça. On vous a dit, non? C'est ça. Vous-même savez que les sorciers, vous savez bien les sorciers que, avant de vous délivrer, il faut que vous parlez d'abord. Donc c'est la même chose, je ne change pas de méthode. Comme tu as reconnu, il faut parler, parce que la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Parle, on va te délivrer. Mais il faut être sincère. C'est ça. Parce que vous là, souvent on fait un pied devant, 10 pieds derrière. Non. Il faut être sincère. C'est vrai, je suis venu. Bon, c'est ma tante qui m'a donné. C'est pour ça que tu es venu. Quand tu venais, tu quittais Tofola. Tu as dit aux gens que tu étais sorcier. Oui. Monsieur. C'est vrai, je suis sorcier. C'est vrai, je suis venu. Non, s'il te plaît. Tu sais, moi, là, j'ai une manière de régler. On ne coupe pas haut. Je vais t'apporter de l'aide. Venez. Vous êtes venu ensemble de. D'où? À Tofola. Tofola. Oui. Et vous êtes venu par rapport à quoi? Puisque. Où est sa femme? Sa. Ah, sa femme qui est assise là. Ida. Venez, écoutez très bien. Monsieur, je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas appelé. Tofla là, c'est où? Parce que souvent on dit qu'il y a un Tofla qui vient à Paris. C'est où est Tofla? C'est où? C'est qui? C'est où? Tofla, c'est sur la rue de Chaud, de Boisflé. Ou bien sur la rue de Saint-Fra, oh ouais, de Daloa, de Gagnoua, de Bonon. Voilà, faut dire Bonon. Voilà, bon, Bonon. Voilà, parce que Bonon, c'est Bonon même. C'est derrière Bonon. Merci. Je connais bien, c'est la voie de Daloa. Daloa. C'est la voie de Daloa. Ok, donc vous êtes venu là pourquoi? Bien. Il a été accusé sorcier et il a accepté. C'est un ami du village. Et il allait me voir. Je l'accompagnais à Divo. Que vraiment, il ne reconnaît plus que vraiment qu'il est sorcier. Il ne reconnaît pas. Qu'il ne reconnaît pas. D'accord. De l'accompagner. Et d'accord, c'est compris. En mars, on a été ici. Lorsque vous avez voyagé. Ouais. Le même jour, on s'est retourné, on est parti. On nous a dit que vous les êtes deux venus. Sont dans le même cas. Oui, oui. La femme aussi a été accusée. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous sommes arrivés ici. Pour voir le détecteur. Merci. Faut qu'on explique ça bien comme ça. Faut qu'on explique. Donc, ils viennent pour voir le détecteur. Comme le détecteur n'est pas en panne, je lui ai dit, celle-là, on l'a accusée. Elle n'est pas dedans. Faut que les gens comprennent ici. Moi, je ne deal pas avec la sorcellerie. Il y a ce qu'on vous dit, et moi j'ai ce don-là. J'ai la capacité de dire aux gens, celui qui est dedans, celui qui n'est pas dedans. C'est en moi, c'est dans ma tête.
Quand je l'ai vu, j'ai dit lui là seulement. Et puis derrière lui-même là, c'est depuis la salle. Vous n'avez pas remarqué? Je l'ai vu dans la salle, il dit, monsieur, toi, diable est dedans. C'est qui m'a vient là. C'est là. Bon, la femme, je dis non. C'est vrai qu'on t'a accusé. Et moi, je ne vois pas la société en toi. Donc j'ai dit à la dame, quitte. Et je loue son courage. Mais les sorciers, vous voyez là, leur parler. Hein? Vos bouches. Tu as vu, non, là-bas, tu as caché un peu. Bon, c'est ce qu'il a dit là, que j'ai traduit. C'est parce que là-bas, tu ne l'as pas reconnu. On dit, il faut venir chez le détecteur. N'est-ce pas? Si tu avais réglé là-bas, ils allaient être très malaisés. Vous réglez votre truc là-bas? Parce que vous avez demandé de régler. Hein? Moi, j'encourage les gens, les gourous. Écoutez, je vous explique. Hein? Le peuple gourou, il ne joue pas avec les sorcelleries. Hein? C'est nous, on joue avec... Chez eux, tu es sorcier. On peut te chasser du village à cause de la sorcellerie. Parce que cohabiter un sorcier, ça veut dire qu'il faut manger les gens. Donc, j'aime bien leur manière de régler ça. Quand ils ont un cas de sorcellerie, tant que ce n'est pas réglé, ils ne laissent pas. Et j'aime très bien cette manière de voir les choses. Mais c'est un sorcier, c'est pas. C'est un mangeur d'âme. Il mange les gens. Et vous allez jouer ça. Je loue vos courage. Hein? Mais vous avez dit, vous allez inviter le prophète à Tofla. Vous avez un report, vous avez abattoir, vous mangez toujours. Je suis venu, où bien? À côté de vous, il est payé à pareil. J'ai tout pour aller faire croisade. À partir de juillet, fin juillet. Août, septembre, octobre, jusqu'en novembre. Invitez-moi dans vos villages. On va prendre midi car je commence à tout acheter. On vient d'acheter tout le système de croisade en 3 millions. La sono, vous voyez là, on a renforcé ça. Allô, mais vous criez dans la salle, il y a, ça c'est rien. Ça peut jouer dans les stades. Nous sommes en train de nous préparer ou de tourner dans les villages. Parce qu'il faut qu'on vers nos parents, mais stop, fin à la sorcellerie. Tant qu'il y a les sorciers dans nos familles, nous n'aurons jamais progressé. Tu es à Paris, tu penses que non, tu mets ton chaman, ou bien tu mets un pizza, dans pizza, on te flèche. Parce que lui met Daguina au village, toi tu mets pizza. Ah oui, elle est fâchée. Oh, qui t'a envoyé d'aller mettre Daguina? Amen. Amen. Il faut que nous évangélisons. On a commencé déjà à s'équiper. D'ici le mois d'août, on va commencer nos différentes croisades. Il faut que nous tournons dans les villages, aller évangéliser. Tu dis au chef du village que je suis venu. Hein? Je vais repartir aux États-Unis. Je serai de retour en juillet. Dieu me donnera encore longue vie. On va attaquer vos toffes là. Il y a trop de vilains trucs là-bas. Madame, va t'asseoir. Merci, diable, là, n'a qu'à parler. Allez délivrer. Allez vous asseoir, monsieur. Merci. J'aime bien vos manières de régler les problèmes de sorcellerie. C'est nous, on cajole ça, on joue ça. Oh, sorcier, sorcier, on joue pas. Tu peux pas être camarade sorcier. Vous partez dormir, lui te voit en que genou. Il vient sur ta toiture, tu vends comme un vent. Il veut te manger. Vous êtes sorcier? Sorcier. Ah, faut parler vrai bien. Si, sorcier. Ok. C'est pour ça que tu es venu. Il faut dire ce que tu fais. Moi, je suis envoyé. Hein? Ici, on m'envoie. On m'envoie et puis j'étais là. Ok. Vous avez bien compris? C'est-à-dire, lui, on l'envoie en mission et puis il abat les gens. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ça veut dire que tu as tué, hein? Je n'ai pas encore dit ce que tu fais comme fonction là-bas. Toi, tu as dit dans ta confrérie, tu es quelqu'un tueur. Ça veut dire que tu as tué. Okay. Qui t'a donné? C'est ma tante. Ils t'ont dit qu'ils posent question, non? C'est ma tante. Ils t'ont dit qu'ils posent question, non? Oui. Tu as vu même. Je suis spécialiste dedans. C'est ça. Parce que plus tu parles, plus tu dis la vérité, ça te désarme spirituellement. Et le démon, il affaiblit et puis ça va. Nous, tu n'as qu'à manger, peu importe le nombre des gens que tu as tués. C'est vrai, ça fait mal. Mais toi, il faut que tu quittes le camp du diable. C'est possible. Avec la miséricorde de Dieu, Dieu peut t'enlever du camp du diable. Tu peux faire partie des enfants de Dieu.
C'est ta tante qui t'a donné. Qui t'a donné? C'est ma tante. Comment elle t'a donné? Bon, elle a tué poulet. Poulet là, elle m'a invité. Vous qui aimez viande là, vous avez compris? Voilà, elle m'a invité. Quand on a fini ma soeur là, elle m'a dit que c'est viande de l'eau. Madame, ne sois pas étonnée, elle regarde son mari. Elle... Non! C'est-à-dire qu'elle a vécu un monsieur sans le connaître. Amen. Amen. Je vous ai bien dit. Oh. Si tu as Driss à côté, il faut savoir si Driss est délivré. Sinon, sans s'arracher, tu vas rentrer dedans. Eh, Kabato, viens te manger d'abrou. Ça va aller, madame, ma fille, hein? Au moins, tu as su la vérité, au moins on va le délivrer. C'est pour le meilleur et le pire. Il dit c'est ça. Le monsieur m'a dit c'est ça. C'est pourquoi le meilleur et le pire. Marie, c'est comme ça. C'est pour bon et pour mauvais. Hein? Yako, hein? D'abord, du courage. C'est ça, mariage. Allons-y. Ouais. Elle a tué poulet. Elle a tué poulet. Mm-hmm. Elle vient de manger. Elle m'a dit que c'est bien de l'homme. De l'homme. Ok. Oui, et puis maintenant ta mère vient de l'homme. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là. Ah, tu n'es pas là? Tu as mangé vient de l'homme. Tu dois donner ses crédits? C'est ça? J'ai si elle t'a dit, ouais. Voici, viens et manger, tu as mangé là, c'est pour l'homme là. Ça veut dire qu'il faut donner pour toi. Voilà. J'ai donné ma maman. Tu as donné ta maman? Ouais, ouais. C'est qui t'est dangereux, hein? Ton commencement dans la sorcellerie là, c'est maman. Hein? Le gars est très dangereux. On l'appelle Ténik Badani, enfant terrible. Maman, tu la manges. Allons-y. Bon, j'ai mangé mon frère. Non, maman, comment tu as tué d'abord maman? Comment tu as tué? Faut pas aller en vitesse, vitesse, vitesse. Non, doucement, doucement. De temps en temps, faut faire les freins à main. Mm-hmm. On va écouter. Maman, quand je lui demande quelque chose, elle ne me donne pas. Elle me demande la vie, elle ne me donne pas. Elle t'a mis au monde là. La vie est là. Ça fait de donner l'argent. Hein? Tu lui demandes l'argent. Elle ne me donne pas. Ah! Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Vous avez des soucis, il n'y a pas de micro. Monsieur, il faut parler un peu fort. Hein? J'ai dit, ma maman, il lui a demandé l'argent, elle ne peut pas me donner l'argent. C'est là, il lui a tué. Hein? Tu as demandé l'argent à ta maman. Donne, voilà. Pourquoi? Elle va donner l'argent pour faire quoi? Je vais promener ça. Saint là, tu as payé? Non. Saint t'a donné là? Je n'ai pas payé. Tu as payé ça? Non. Et à lui là? Chauffe un peu mon cœur. Je me calme un peu, sinon il chauffe mon cœur. Ah, maman n'a pas de prix. Hein. Si elle t'a bissé là, toi tu donnes l'argent pour aller te promener. Et à lui là, tu as boire belé. En attendant que l'on l'aille, tu allais faire quoi? Chercher femme, manger, faire quoi ça? Je vais chercher femme. Il est le très possédé. Et comme elle a refusé de donner l'argent, tu ne peux pas aller travailler. Je travaille au champ. Mais pourquoi c'est la haine de ta main, tu veux? Là, c'est ma maman. Hein? C'est pas une raison. Je laisse son argent. Hein? C'est maman et je laisse son argent. Non, il n'y a pas de raison. Toi, tu entends de nous jouer, nous. Sinon, sorcellerie, il n'y a pas de raison. Tu as envie de tuer, on t'a demandé de donner ta maman. Tu as donné, tu l'as tué, sinon ce que tu dis là. C'est faux. Quand vous voulez tuer, est-ce qu'il y a raison? Donner l'argent, ça c'est rien, tu mens. Pourquoi tu as tué ta maman? Ça, je dis. Hein? Ça, je dis. Tu as dit quoi? Je dis, tu viens demander l'argent. Hein? Ouais, mon papa a fait un champ de cacao. Non, l'argent, elle gagne. Si je demande, elle me donne. Elle a fait à ton papa? Elle a fait à ton papa ou elle a fait avec qui? Elle a fait mon papa. Et à lui là? Si je demande mal. Si elle dit parce que son papa a fait. Mais ton papa l'a fait avec qui? Elle a fait avec elle. Mais il ne faut pas ignorer l'effort que ta maman a fourni pour faire des champs. Et tu l'as mangé? Hein? Mm-hmm. Tu as mangé ta maman? Mm-hmm. Tu as mangé quelle partie? J'ai mangé son plan. Hein? Son plan. Quoi?
connais ça. Monsieur, il faut parler bien moi. Parce que ce que tu es là, je connais. Tu as mangé la tête, le cœur et la cuisse. C'est pas bras. Vrai ou faux? Vrai. Hein? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Je ne peux pas jouer à moi. Tu vois qu'il est en train de jouer à moi. Je ne peux pas jouer à toi. La tête, le cœur et la cuisse, c'est pas bras. Donc tu veux jouer à moi, pourquoi? J'étais là quand tu mangeais. Maintenant, pourquoi tu dis bras? Tu n'as pas envie de parler ou bien? Hein? On va préparer. Hein? Je vais préparer. Tu comprends mon français? Il y a. Comment on dit viens? Da, ida, ida. Faut parler français. Ta sorcellerie, tu fais là, tu vas aller prendre français là-bas. Faut aller prendre, fait bon. Faut aller à l'école là-bas pour français. Tu comprends pas français? Laisse-lui parler français. Tu te mets les dents là-dedans, tu vas l'aider. Ils t'ont envoyé, tu es un grand garçon, on va te délivrer la sorcellerie, tu es en train de jouer moi. Tu me fatigues ou bien? Pas de fatigue. Hein? C'est moi qui t'ai envoyé dans la sorcellerie, c'est moi qui ai d'aller manger ta maman. Non. Tu as tué ta maman? Mm-hmm. Tu as mangé quoi? Je mets ta tête, fils. Aïe, je ne connais pas trop le français. Hein? Voilà. Tu as mangé quoi? Je mets ta tête. Puis je mange son chaud. Tu ne connais pas le cœur aujourd'hui? J'ai levé son cœur. Tu ne connais pas? Je connais. Je mets son cœur. Et puis quoi encore? C'est fini. Et sa cuisse là? Non, je ne vais pas manger. Non, si. Tu as reconnu ça tout de suite. Tu as mangé la tête, le cœur et la cuisse. Tu as mangé trois parties du truc. C'est ça? Oui. Hein? Mm-hmm. Mais pourquoi tu nies toujours? Je ne nie pas. Le monsieur est en train de jouer à moi ou bien? Non. C'est une prophète. Hein? Non, je ne veux pas jouer à toi. Attends, tu ne veux pas parler, tu vas partir. Non, je vais parler. Je vais parler. Je dis. Moi, je m'en ai dit. C'est à moi, tu allais manger. Non. Je t'écoute. C'est pas moi qui mange. Je mets sa tapette dans son cœur. Mm-hmm. Puis je mange ici encore. Qu'est-ce ici? Hein? Je mange son pied. Ok. À part maman, tu as donné qui? J'ai donné mon frère. Comment il s'appelle? Mon grand frère. Donc son nom? Marcel. Hein? Marcel quoi? Marcel Gouré. Comment tu l'as tué? Comment je l'ai tué? Bon. Si je demande l'argent. Non. Non. C'est pas la raison. Comment tu as tué? Ta maman là même, comment tu l'as tué? Comment je l'ai tué? J'ai tué un machette. Un machette. Mm-hmm. Tu as fait comment? Il l'a attrapé. Où? En sorcellerie. Mais où elle était couchée, où elle marchait? Elle était couchée. Mm-hmm. Et puis tu as fait quoi? Puis je l'ai gorgé. Il est terrible, hein? Mm-hmm. Ta propre mère qui t'a engendré là, elle dort. Toi tu rentres après elle, puis tu les gorges. Il n'a rien dit? Non. Mais on a compris, le petit dit, on enlève le côté sentimental. Ça, d'ailleurs, on a déjà compris. Donc, on te ôte ça. Et puis, bon, tu deviens autre chose. Tu deviens comme un animal. C'est pour ça que la Bible dit qu'un homme qui ne connaît pas Dieu, il était comme un homme animal. C'est pour ça que je vous interpelle. Il faut que chacun d'entre nous expérimente Dieu. Quand tu as Dieu dans ta vie, tu manifestes l'amour. Tu as peur de faire du mal à ton prochain. Tuer devient difficile pour toi. Et donc, comment tu as tué ton frère? Mon frère, là, lui, il a fait balle à Bijan. Mathieu, il y a aussi, si je demande l'argent, il ne me donne pas l'argent. Parle fort. Si je demande l'argent, il ne me donne pas l'argent. L'argent à qui? Mon grand frère. Donc tu ne vas pas travailler quoi? Non, je travaille direct là-bas, à Abidjan là-bas. Si je demande, il ne me donne pas l'argent. Hein? Il ne me donne pas l'argent. Madame, comment on dit hier? Comment on dit? Ida. Si elle parle un peu dans son couloir là-bas, là. Ida. Elle dit quoi? Ça va? Tu vas entendre beaucoup de choses, hein?
doucement. Parce que le monsieur là, après il va manger pour tout. Après il va aller manger pour tout. C'est pour le meilleur et puis c'est son mariage. T'as compris? Et t'assois. Tu ne regardes pas bien maintenant. Non, c'est vrai, c'est choquant. Elle a vécu qu'un monsieur sans le connaître. Quand vous voulez marier, il faut bien voir. Sinon, toi, tu retournes dans une marmite. Plein de sauce arrachée sur toi. Avec riz, riz local. Donc, tu l'as tué. Comment? J'ai tué. J'ai lui ai tué un bois. Et bois. Mm-hmm. Comment? Il était où, là, tu es bois? Il était à Bidjan, là-bas. Mm-hmm. Quand il est venu derrière, là. Ah, il était à Bidjan. Tu t'as attendu qu'il rentre au village, ouais. Et tu l'as tué. Mm-hmm. Et tu l'as mangé. Je l'ai mangé. Tu as tué qui encore? Bon, j'ai tué ma soeur aussi, ma petite soeur. Elle n'a pas de nom. Elle s'appelle Chimé. Hein? Chimé. Chimé. Tu la connais? Chimé. Tu as Chimé, tu as tué Chimé. Mmh. Comment? Eh mais, voyez, si elle est trop bandite. Le gars est terrible, non? Il est trop dangereux. Ça se veut dire pas l'argent, hein? Non. Ça se veut dire c'est pas l'argent, c'est bandite. Ils sont terribles, hein, ceux-là. Ils cherchent une raison pour donner un truc à ça, Thierry. Tu as tué, ça a besoin de raisons. Elle est bandite. Elle avait quoi? Elle parle mon trou. Hein? Elle parle mon trou. Eh ben? Elle parle. Si je parle, elle parle. Elle ne respecte pas. Parce que t'es mauvais. Elle respecte le sorcier. Tu es diable. Tu l'as gâté aussi, tu dis parle, bah. Tu as fait quoi? C'est ça que j'ai fait. Hein? C'est ça que j'ai fait, c'est ça. Hein? Je dis ce que j'ai fait, c'est ça. Tu n'as pas encore dit. Tu as fait quoi? J'ai fait quoi? C'est ça, j'ai dit à tuer quoi? C'est ça, il demande où on parle de quoi? J'aime manger. Comment tu l'as tué? Quand tu as dit la raison, parce qu'elle parle mal à toi. Elle parle mal. Maintenant, comment tu l'as tué? Maman, tu as pris machette. Le frère, tu as pris bois. C'est même machette d'un peu. Pour la fille, là? Mm-hmm. Elle dormait ou bien? Non, elle dort pas. Elle était où? Elle était au champ. Et tu allais la tuer là-bas? Voilà. Qui encore? Ce que j'ai fait, c'est ça. Hein? C'est ça là. Il était chassé d'ici. Hein. Tu n'as même pas encore dit la moitié. Même le tiers. Ce qu'il a. Lui, il a tué 68 personnes. Quelle trois personnes? Pourquoi tu dis ces trois personnes? Monsieur, pourquoi tu dis que c'est trois personnes que tu as tuées? Donc tu ne veux pas parler? Je veux parler. Hein? Je veux parler. Je veux parler. Bon, encore. Tu as trois avions là-bas, non? Ouais. Hein? Mmh. Tu as trois avions. Mmh. Tu les loues. Tu loues ça aux gens aussi. Ouais, il y a des gens au village là-bas. Tu loues ça et toi? Non. Vous faites sorcellerie? Ouais. Il a jet, il a trois jets privés. Ouais. Allons-y. Ce que j'ai fait, c'est ça que j'ai dit. J'ai trois biens. Non, ça c'est moi qui viens de révéler ça. Mmh. Tu dis que tu as tué trois personnes. J'ai dit non, c'est 68 personnes que tu as tuées. Donc ça y est, tu n'as même pas dit, mais petit même. Il reste combien? 50, 60 personnes. Bon. Encore, j'ai tué ma sœur encore. Elle n'a pas nom. Filmé. Où est-ce, non? Est-ce lui là-même, il veut parler? Je veux parler. Ah non, mais faut pas penser que ce nom te force pour parler. Non, je vais parler. Tu parles un peu, je t'ai bien dit tout de suite. Je vais faut pas faire un pas en arrière, tu as fait 10 pas derrière.
Ben, je vous connais. Avec les grands, on se fatigue plus. Les enfants, ils parlent beaucoup, beaucoup, mais les grands, là, il t'a bien dit. Nous, là, personne ne va te lapider. C'est la même manière qu'on procède pour délivrer les gens. Tu ne peux pas aller te déplacer de vers d'Aloua, venir ici et puis plaisanter. Dis quand ton ami intime est venu t'accompagner. Ah. Toi même ta camarade même qui vient de dire faut parler. À quoi j'ai dit ma soeur encore? Hein? À quoi j'ai dit ma soeur encore? Bon, mon papa aussi. C'est comme si on te force. C'est pas ça. Hein? C'est comme si on te forçait de parler. Parler. Monsieur, tu veux quoi? Je veux mon frère me délivrer. Hein? Je suis venu, tu vas enlever sur ce que je suis venu. Hein? Je suis venu sur ce n'est qu'à enlever sur moi. C'est un cas enlevé sur toi. Je vais sur. Mais faut parler. Faut pas, parler. C'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Qui t'a mangé là-bas bon bien? Tu as mangé maman. Tu as mangé papa, frère. Tu as mangé soeur. C'est maintenant toi me dis c'est pas bon. C'était pas doux quand tu mangeais. Allons-y. Bon, encore, j'ai tué mon papa, mon petit-frère. Quand tu as tué maman, maman voilà, j'ai tué quand tu as tué frère, voilà. Quand tu as tué soeur, j'ai tué soeur encore. Une soeur encore, voilà. Comment ils appellent? Il y a Chimène. Tu as tué Chimène. Voilà. Y a Philomène. Voilà. Puis le portier. Philomène, tu l'as tué comment? Avec machette. Avec machette. Tu coupes les gens. Voilà. Et puis l'autre, c'est quoi? L'autre là, c'est mon périphère, mon papa. Ton oncle? Mon oncle. Comment il s'appelle? Honoré. Honoré. Mm-hmm. Comment t'as-tu Honoré? C'est même ma chaîne encore. Il a fait quoi, Honoré? Honoré, il est trop méchant. Comme toi? Si je lui demande. Si j'ai dit, il n'a qu'à me donner quelque chose comme ça, là, il ne fait pas. Il va donner l'argent à sorcier pour quoi? Tu as gâté. Il est méchant comme toi. Madame, il y a quoi, hein? Elle a la trouille comme ça. Elle s'est dit, mais j'ai vécu un monsieur sans le connaître. Hein? Eh, tu le voyais pas où? Faut aller doucement, on va régler le problème. Ça va quoi? On va régler puis ça va fumer. Faut calmer, ça va finir. Hein? Après, tu as lui dit chérie, tu fais foutu banane, muille et sa graine. Non, les gourous, ils aiment sa graine. Monsieur, ouais. Allons-y. Bon. Mon papa, Pédi frère, mon papa aussi encore. Non. Pédi frère, le papa d'abord, tu as tué là. Honoré, ouais, c'est ça? Oui, Honoré. Comment tu as tué? Je tiens ma chèque. Il t'a fait quoi? Il lui demande quelque chose, il ne me donne pas. Hein? Mm-hmm. Toi, tu demandes son mort. Je lui demande forêt, il n'est pas me donner forêt, il ne peut pas me donner forêt. C'est pour toi? Mais c'est mon papa. Mais il ne veut pas? Il veut travailler. Mais il ne veut pas? Il ne veut pas. Tu es obligé de le tuer pour ça? Ouais. Et donc, tu l'as tué? Mm-hmm. Et tu l'as mangé? Oui. Ok. Allons-y. Un autre petit frère encore. Et le papa? Ouais. Comment il s'appelle? Germain. Germain. Il est comment? Il est clair. Il vit où? Germain quoi? Germain Gama. Gama. C'est qui l'a tué? C'est moi. Comment? À même machette. Il vous a pas dit qu'il a école de sorcellerie? Tu donnes sorcellerie aux enfants? C'est pas ça? Non. Tu fais ça ou tu ne fais pas ça? Je ne fais pas. Donc je mens sur toi? Je ne fais pas, c'est moi-même. Ah non, non, non. Tu as école de sorcellerie. Tu inities les gens à la sorcellerie. On attend de te délivrer. Ouais, ouais, on vient là-bas, là, on l'aime beaucoup. Non, 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 non. Je parle de toi. Je ne suis pas en train, je suis en train de te délivrer. Parce qu'il y a des éléments clés qui doivent ressortir dans ce que tu fais. Toi, tu inities les gens à la sorcellerie. Les enfants. C'est ce que je suis en train de dire? Tu dis non, 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 non. Ou bien,
Hein? C'est ça. Tu fais ou tu ne fais pas? Je fais. Et puis tu discutes. Je fais. Moi, c'est mon don. Vous les sorciers là, c'est à cause de vous Dieu m'a fabriqué. Amen. Amen. Ah, tu dis amen. Comment tu donnes sorcellerie aux enfants? Ton école là, comment tu fais ça? Mon école là. De sorcellerie. Les gens vont, genre, j'ai CP1. Toi tu es pour sorcellerie là, tu as créé au village. Faut parler. Oui, j'ai créé au bien. Je les. Comme frère, on fait papier les enfants là. Ah, hein? Je les prends. Tu les prends? Voilà. Puis tu fais quoi? Que on fait sorcellerie, on faut faire comme ça, on fait comme ça. Mmh. Et puis la nuit, il voyage avec toi. Voilà, on fait entraînement. Entraînement. Et la théorie et la pratique. Quand tu finis la théorie, la nuit, la pratique. Et tu as donné à combien? Je vois si tu es honnête. Je vois si tu es bien. Si tu dis la vérité, vrai, vrai, même aujourd'hui là. Comment il s'appelle? Je m'appelle Fabien Roméo. Non, son nom, gros. Tiaouin. Tiaouin. Tiaouin, voilà. Dis-moi, vrai, vrai, la vérité. Tiaouin. Hein? Ça veut dire quoi? Tiaouin. Ti. Tiaouin. Voilà. Ti. Bon. Il y a ces deux enfants. Dédie le nom. Le monsieur là, il n'est pas prêt à changer. Il va changer. Non, 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 non. Il va changer. Il a six, il est Benayema. Il va changer. Je vais te laisser, il a fait délivrance. Pardon. Non, 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 non. Mais tu joues avec qui même? Je ne joue pas avec toi. Bon, les enfants là. Il y a 10 enfants. Tu es malade ou bien? C'est pas 250 enfants que qui t'a donné. Hein? C'est 10 enfants. C'est pas 250 enfants à qui t'a donné la sorcellerie. Hein? C'est toi qui initie tous les enfants la sorcellerie. Hein? Tu dis quoi même? Oui, ouais. Quoi, ouais? C'est ça, c'est ce que tu as dit. C'est non, ça. Non, 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 non. Tu as fait quoi? C'est 250. Quoi, 250? Dans la sorcellerie. Quoi sorcellerie? Tu fais quoi sorcellerie? C'est toi qui demande ou bien? La sorcellerie là. Oui. Bon, je les envoie. Tu as fait quoi 250? 250 là. Hein? Je les donne tout. Quoi? La sorcellerie. Tu as initié? Initié, voilà. 250 enfants. Mmh. C'est tous les villages. C'est toi qui donne la sorcellerie au village. Hein? Je dis tous les enfants vivaient à moi. Parle fort. Je dis tous les enfants qui sont vivaient là-bas. Oui. C'est moi qui lui donne tout. C'est toi qui lui donne. Mmh. Au lieu d'apprendre pour devenir ministre demain, toi tu apprends comment maman vient la nuit. Hein? Est-ce que ça on doit monter ça à un enfant? Mais pourquoi tu trembles, tu ne parles pas, tu sautes là, tu ne dis pas? Elle dit quoi, sa femme dit quoi? Non, sa femme dit qu'il n'a qu'à tout, ça dit qu'il n'a qu'à tout. Faut tout dire, voilà. Préparer, faut tout être donné demain. Sauce graine. Le cachet, il n'a qu'à tout. Ah mais escargot dedans. Tu ne manges plus de viande. Non. Lui là c'est escargot, madame. Il a poisson. Escargot et poisson maintenant, tu veux le donner, hein? Voilà, il poisson. Il a trop mangé. Il va manger poisson maintenant. Hein? Il va manger poisson. Quoi les maillots viennent? Non, non, il m'a plus. Il m'a plus. Ton âge là, c'est pour aider les enfants. Toi, tu vas leur donner sur ce débat. Ce que tu dis là, tu ne peux pas nier ça demain. Il faut lui demander. Il y a des gens qui Il dit quoi? Il dit qu'il ne peut pas. Parce qu'on ne t'a pas forcé. Hein? Non, je vais parler demain. C'est ce que tu m'as dit. Mais lui, là, on va partir à Tofla. Les enfants, tu as donné là. On va les délivrer. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord.
Ah oui, on ne va pas les faire comme ça. C'est tout le village. Mais lui, mais Leur école là, il reconnaît ça. Que vous avez dit tout de suite là, il reconnaît ça. C'est le professeur. C'est le professeur. C'est pas un sujet, il est professeur. Il n'est pas dans un sujet, il est professeur. Monsieur, on t'écoute. Il faut que tu aies un peu de temps. Bon, j'ai dit, c'est 200 seconds là, 200 seconds les enfants là, voilà. Voilà quoi? Tu dis voilà, c'est voilà là mais qui ne nous plaît pas. Ben, tu ne dis pas ce que tu as fait, tu dis voilà, voilà, ça ne veut rien dire. Ok, voilà. Tu ne parles pas français puis tu vas être sorcier. Ceux qui les ont enseignés au village là. Voilà que ils sont actuellement, ils sont à l'école ou ils sont au village là. Dans son école là. Combien de personnes enfants? Et nous, non. Nous, les filles, le sourire, voilà vous. 250. Hein? 150. 200 ou 150? 250. 250 enfants. Est-ce que lui là, il veut changer? Il veut changer. Il y a de la noire à l'air de temps. Il veut changer. Il veut changer. Et ils font quoi? Viens, fais ta lunette, viens. La dame en train de mourir avec lui. Viens. Les sorciers, vous avez vu, vous avez la chance que nous sommes là. Lâche son âme. Lâche son âme. Au nom de Jésus. Lâche son âme. Comment? Lâche son âme. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Laisse-le. Jésus-Christ te délivre et maintenant. Jésus te délivre. Soulève la main là-dessus. Mets-la sur la puissance de Jésus. Te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Comme feu. Allez, feu. Sors-les. Lâche-la. Consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu. Elle est la vérité. Jésus te délivre. Lâchez son âme. La dame est en train de mourir à petit feu. Jésus te délivre ce soir. Sa puissance te libère ce soir. Quitte son corps. Esprit des morts. Dans le nom de Jésus. Allez! Allez! Libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères sa vie. Tu libères sur soi-même sa vie. Lâche-la. 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 La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Lâche-la. La puissance de Dieu. Le feu. Lâche-la. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu vas libérer sa vie. L'esprit de mort, c'était accaparé déjà de son âme. Jésus-Christ te délivre ce soir. Ce soir. Sa puissance te libère. Lâche-la. 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 Libère son âme. Libère son âme. Oui. Lâche-la. 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 Jésus te délivre ce soir. Oui, Jésus te libère. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Sa puissance te libère. Sa puissance te libère. Lâche. Jésus te délivre. Libérez-la. Libérez sa vie. Libérez sa vie. Lâchez-la. Lâchez-la. Come on! Feu! Le feu consume tes œuvres dans ce corps et tu la libères dans le nom de Jésus. Je ne peux pas la libérer, si. Je vais la tuer! Tu vas la tuer! Et pourquoi? Elle a pris mon fils! Elle a pris ton fils! Je vais la tuer comme ça! Elle a pris ton fils? Comment? Elle a marié mon fils, pourquoi? Elle a marié ton fils? Et donc tu veux la tuer? J'ai tué mon fils, c'est bien, papa. Je la tue. Je la tue. Ah bon? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? On a beaucoup. Tu vas la tuer, tuer son mari, c'est ça? C'est ça? Tu vas la tuer et tuer son mari? J'ai tué son mari. Tu as tué son mari. Je vais tuer mon fils, c'est elle qui veut pas. Je vais tuer d'abord. Elle t'a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Rien. Rien. Je vais tuer mon fils. Ok. Le fils vous a fait quoi? C'est notre femme. Le fils vous a fait quoi? C'est notre femme. C'est votre quoi? Notre femme. Votre viande. Ok. Libérez-la. 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 Le feu sur toi. Le feu sur vous. Allez, lâchez-la. Libérez-la. Au nom de Jésus, le feu de Dieu consume vos œuvres dans ce corps. Oh, ils sont foutus comme ça. Le feu de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Souvent c'est comme ça. Vous avez l'impression de marier quelqu'un qui est sous le contrôle des esprits de la sorcellerie familiale. Et quand vous épousez cette personne, vous-même, vous devenez victime. Parce qu'il y a des femmes qui apportent, n'est-ce pas, une chance à quelqu'un. J'ai toujours dit, c'est la femme qui fait l'homme. Vous comprenez? Et donc quand tu es une femme comme ça, quand tu épouses quelqu'un qui est déjà victime, n'est-ce pas, manipulé, contrôlé par l'esprit de la sorcellerie, directement on attaque la femme. C'est vice-versa, c'est comme une femme aussi. Hein, pareil, quand tu épouses aussi une femme qui est contrôlée par les esprits de famille, la sorcellerie t'attaque. Amen. C'est cela que il faudrait que la prière soit au centre de votre foyer. Mettez Dieu devant de toutes choses et invoquez toujours Dieu. Avant de dormir, quand vous vous réveillez, confiez la destinée de votre foyer au Seigneur. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la. Tu vas la libérer. C'est un ordre.
C'est un ordre. Il l'a déjà vendu. Tu l'as déjà vendu? À qui? Tu as vendu à qui? Vous savez, quand le diable dit qu'il a vendu, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que Jésus a fait le rachat. Vous comprenez? Quand on parle de rachat, c'est quand on t'avait vendu, puis il a racheté. Donc Jésus qui nous a racheté. Vendu, ça ne veut rien dire. Tu nous as vendu, mais il y a quelqu'un qui a fait le rachat, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, il a déjà fait le rachat. De par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a fait le rachat. Tu vas la libérer par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu la libères maintenant. C'est un ordre. Tu m'attends? C'est un ordre. Libère-la. 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 Quittez sa vie. Allez, quittez sa vie. Allez, quittez sa vie. Allez, quittez sa vie. Quittez sa vie. Quittez sa vie. C'est pour cela qu'il faut que le Seigneur, faut que vous priez Dieu. Il faut qu'on vous consacre. Parce qu'un esprit, il peut être là, le sorcier, et puis injecter un esprit dans ta vie. Juste pour détruire ton foyer. Ou bien qu'il crée des problèmes dans ton service. Tu es là, puis du coup, tu es en train de compter de l'argent, puis tout se mélange. Parce qu'il y a un esprit qui vient vous contrôler. C'est pour cela que dans vos services, avec de lui. Quand on vous parle des huiles, c'est vraiment très important. Que vous ayez ça dans vos maisons, que vous ayez ça un peu partout. Et ça, c'est vraiment très important. La puissance de Dieu. Lâche-la. Tu vas. Monsieur les Dallois, ça va? Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Lâche-la. Tu la libères. Tu m'attends? Sors d'elle. Voilà, sors d'elle. Attends. Attends. Libère-la. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus te délivre ce soir. Sa puissance te libère ce soir. Sa puissance te libère ce soir. La puissance de Jésus. Je te dis qu'il n'est pas bon. Toi, tu mets les enfants dedans. Les gens font bon, ah, bah. Mariam joue à la balle. Toi, c'est comment? Eh, hey, faut couper le cœur comme ça. Faut acheter un soc gombo. Mets en graine. Mange cus. Allez, mange cus. C'est ça qui est bon chez toi. Il n'a qu'à manger escargot maintenant. Hein? T'as appris? Ça va, même si la femme même va te donner ça demain. Thomas, elle est dégâts, elle est découragée du bien. Elle le regarde. Hein? Tout foutu, tout envoyé là, c'est moi du bien. Et puis foutu, mais fatigue. C'est comme ça du bien. Tu manges la nuit. Tu vois, tu manges deux fois. Moi, t'appelles lui. Ton nom, gros. La pauvre femme, elle est fatiguée, foutu, tu manges. Lui, là, ça doit être un grand mangeur. Qui va manger en haut là-bas. La puissance de Dieu. La sorcellerie qu'on donne à un enfant, ça fait mal. Hein? Donner la sorcellerie à un enfant. Hein? Jésus-Christ te délivre. Maintenant, tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demain, nous allons prier pour que Dieu vous donne sa force. C'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu. Si vous avez l'onction de Dieu, vous allez faire peur au royaume de la sorcellerie. Voilà, va, je te brûle là-bas. Allez, va.
Je le veux là. Voilà. Je l'ai envoyé dans un cercueil tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai stoppé la prière, les aveux. Non, c'est la fatigue. Aide-la. Moi-même, j'ai dit sorcellerie. Oui, j'écoute. Tu as fini? Tout. Oh, tu n'as pas fini. J'ai fini. Il ne te touche plus. Tu peux retourner à ton plat. Oui, c'est un dit. C'est un menteur. Ah, mais c'est un dit. Il dit quoi? Ce sont 68 personnes. Oh. Allez. Ta puissance de Dieu. Et de lâcher la terre, rappelle-moi. Si. Lui, il a 5 ans, les gens, comme il m'a mené demain au bureau. Jésus vous touche. Âme. Et je libère ta vie dans le nom de Jésus. Lâche-la, allez! Feu! Feu! La puissance de Dieu. Délivre ce soir. Reçois ta délivrance. Je brise. Détruis les œuvres du diable dans votre vie. Je proclame la délivrance ce soir. Jésus-Christ vous délivre ce soir. Recevez la grâce de Dieu. Ce soir. Feu! Hey! Feu! Lâche son âme. Lâche son âme. Allez. La puissance de Dieu te libère ce soir. Jésus te guérit ce soir. Il te guérit ce soir. Il te libère ce soir. Feu! Hey! La puissance de Dieu te libère ce soir. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Touche ce soir. C'est sûr. Délivre ce soir. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Reçois la grâce de Dieu ce soir. La puissance de Dieu. Prenez son bébé là. La force secrétariat. Hein? Sois la puissance de Dieu. Te bénis ce soir. La puissance de Dieu. Le feu. Consume tes œuvres. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie.
Touchez la tête. Je... Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez. L'enfant. Non, non, prends l'enfant maintenant. Comme le feu. Le feu. Consume tes œuvres. Dans ce cas, la puissance de Dieu. 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 Ce soir. Jésus te libère ce soir. Lâche. Lâche. Libère. Au nom de Jésus. La libère. Feu. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Allez! Libère-la. Libère-la. Tu la libères maintenant même. Mets-la la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Consume tes œuvres. Lâche sa tête. Lâche sa tête. Lâche sa tête. Tu libères sa tête. Maintenant même. Le feu de l'esprit. Consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Hey! Feu. Le feu. Lâche sa tête. Maintenant même. De l'esprit consume tes œuvres dans ce corps au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance. Allez, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit consume tes œuvres dans ce corps. La... Oui, le feu, allez, lâche-la. C'est un ordre. Libère sa tête, oui, lâche-la. Libère sa tête, libère-la. Allez, si, libère sa tête. Libérez-la. Hey! Libérez sa tête. La puissance de Dieu te délivre ce soir. Allez, libérez-la. Allez, libérez sa tête. Libérez-la. Le feu. Le feu. Le Dieu. Lâchez-la. Lâchez-la. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Jésus te libère. Le feu. Le feu sur toi. Feu! Allez, feu! Allez, feu! Feu! Allez! Feu! Le feu! Consume tes œufs dans ce corps. La puissance. Hey! Lâche-la! Hey! Le feu! Lâche-la! 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 Au nom de Jésus! Comment le feu! La libère! Oui, libérez-la! Libérez-la! Oui, libère-la! Libère-la! Au nom de Jésus. Oui, lâche-la. Tu libères sa tête. Tu libères maintenant sa tête. Dans le nom de Jésus. Tu la libères et maintenant même. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Maintenant même. Au nom de Jésus. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Tu la libères. Allez! Le feu sur toi. Le feu consume tes yeux. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Mets-la à la délivrance. Je commande à la maladie de partir. La maladie disparaît de ton corps ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande aux esprits de partir.
J'ordonne aux esprits de partir et de libérer ton corps au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la sorcellerie de te libérer ce soir. Reçois le miracle de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu te touche là où tu es, dans le nom de Jésus. Pasteur Philippe, viens.